www.casarema.fr. La bonne nouvelle, c'est un moment là dont Jésus parle. Oui, il faut aller prêcher cela. Ce n'est pas sa naissance, non. Ce n'est pas le 25 décembre, non. Ils ont 25 décembre. Non. Comme Adam le père avait péché, tous les fils d'Adam étaient dans le péché. Et leur sort dans le tribunal de Dieu, c'était la condamnation à mort. Mais comment il vient de croire à celui qui est mort à sa place? Regardez maintenant ce que Dieu fait. Oh Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Pour voir d'autres vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Du 11e au 19e. Au Banda, il y a été 11e qui nous 19. Il y a aussi Luc 6. Donc, Luc 2, verset 6 à 12. Luc 2, 6, 12. Luc 2, 6, 12. Luc 2. Luc chapitre 2. Verset 6 à 12. Verset 6 qui nous 12. Il est écrit. Et comment il donne? Luc 1er. Alors, verset 11.
verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et s'éteint debout à la grotte de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant. Zacharie a qui est verset 13. Mais l'ange lui dit, parce que moi j'ai accepté. Ne crains point Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Moi, si yo, Elisabeth, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie. Verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. On saute, hein? Je suis en train de sauter. Prenons le verset 16. Le verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Verset 18. Zacharie dit à l'ange. Zacharie a lui mangé. À quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis Dieu. Verset 19. L'ange lui répondit. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est ce qui nous intéresse en fait. J'ai été envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Le thème d'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Ici, l'ange dit à Zacharie que j'ai été envoyé, c'est pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Allons, Luc chapitre 2, verset 6 à 12. Maintenant ici il s'agit de Marie et Joseph. Chapitre 2, verset 6 à 12. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devrait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota. Elle le coucha dans une crèche. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ, le veille de la nuit, pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit,
Mais craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Mais craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, voici maintenant la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est le Christ? Le Seigneur. C'est là où moi je dis toujours, on reçoit Jésus-Christ dans la vie, d'abord premièrement comme sauveur, ensuite comme Seigneur. C'est à partir de cette écriture. Jésus ne peut pas être ton Seigneur sans avoir été premièrement ton sauveur. Ça n'existe pas. La première des choses, il est le sauveur. Ensuite, il devient ton Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Ok, à tout cela, et le sauveur et le Seigneur, il y a une explication. Les choses ne sont pas faites au hasard. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté. Et couché dans une crèche. Allons maintenant chez Marc 13. Et puis tu mets les doigts sur Marc 16. Ouvre sur Marc 13, mets les doigts sur Marc 16. Marc 13, il est écrit. Marc 13, au verset 10. Là, c'est Jésus qui parle maintenant. Il nous faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêcher à toutes les nations. Suivez-moi très bien la démarche. Allons, Marc 16. Prenons le verset 15. Le dernier parmi les dernières paroles de Jésus. Il est écrit. Puis il est dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples, à ses apôtres. Il est dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Acte 8. C'est pas dans mes habitudes de donner trop de versets, mais je veux que vous puissiez retenir comme ça quand je vais commencer à parler. Peut-être qu'on n'aura plus le temps de beaucoup lire. Acte 8, verset 35. Acte 8, 35. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ma démarche? Amen.
Acte 8:35. Il est écrit. Alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur pour des siècles et des siècles. Toi qui conduis nos pas. Et aujourd'hui, tu les as conduits dans ta maison. Nous te confions ce moment que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. Que ce peuple puisse sortir enseigné, édifié. Que tout celui qui nous écoutera de près ou de loin, qu'il soit édifié. Et que toute la gloire te revienne, toi, le seul vrai Dieu. Que toute chose en ce lieu se passe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que acclamons très fort pour Jésus. Merci que Dieu vous bénisse, mettez-vous. Maintenant, nous allons prendre la vie de Bovanda. La bonne nouvelle. Sans mon amour. Je veux que tu répètes après moi. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Quand nous allons prendre la vie de Bovanda. La parole de Dieu, il va l'entendre. Il faut bien la comprendre. La parole de Dieu, il va l'entendre. Quand elle n'est pas prise dans son contexte, ça devient autre chose. Et comment dit mon soussou? Ça devient la parole avec erreur. La parole de Dieu, je voulais vous expliquer une chose. De Genèse à Apocalypse, la parole n'est pas que de la même chose. S'il y a des contradictions, cela ne vient pas de la parole, cela vient des hommes. Est-ce que vous me comprenez? S'il y a les uns qui disent, par exemple, la femme peut prêcher, les autres disent la femme ne peut pas prêcher. Ce n'est pas une contradiction qui vient de la parole, non. Ce sont des hommes. Pourquoi? Pourquoi les hommes se contredisent? Retenez ce que je veux vous dire. C'est une chose que j'ai compris. Parce que sur la terre, il y a trois sortes de serviteurs. Comme nous sommes là, tous ceux que vous appelez serviteurs de Dieu, il y a trois sortes. Et chacun dans sa sorte, il agit selon sa mission. Il y a le jour, je vais vous expliquer sur les trois sortes de serviteurs qui enseignent dans des églises aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la bonne nouvelle. Zacharie était tellement, il était un Lévite. Donc de la tribu de Lévi, il
était sacrificateur. Il faisait son travail dans le temple. Sa femme s'appelait Elisabeth. Alors Zacharie et Elisabeth, ils étaient devenus des vieux. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu ne comprends pas, tu se lèves le doigt, tu poses la question. Alors Zacharie, il faisait le travail dans l'église. Comprenez le langage dans le temple. Il brûlait le parfum. Le peuple était dehors. Le peuple d'Israël était dehors. Lui, il était dans, à l'intérieur du temple. Il faisait le travail. Il était dans le lieu saint. Il était dans le lieu saint. Là où se trouvait l'autel de parfum. Le jour viendront, je vous parlerai du tabernacle. Ou bien la parole de ce tabernacle. Donc, l'iloba est là. C'est comme si on dit la parole s'est fait chair. L'iloba est là, c'est tabernacle. Donc, la parole, c'est tabernacle. Ça, ce sont des titres que moi-même je donne. Des thèmes que moi-même je donne. Pour attirer l'attention. Le jour où on va vous parler de ces choses-là, si Dieu fait grâce avant l'enlèvement, ce sont des choses qui édifient si tu écoutes ces choses-là. Si tu les écoutes jusqu'à la fin, tu dois beaucoup aimer Jésus. Alors, Zacharie travaillait. Pendant qu'il travaillait, il a vu un ange. Un ange lui est apparu. Un ange du Seigneur. Alors, Zacharie a eu peur. L'ange lui a dit, n'aie pas peur, Zacharie, je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que Elisabeth, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Donc ici, pour l'ange, la bonne nouvelle, c'était la naissance d'un fils dans la maison de Zacharie. C'est la naissance. Si on peut nous écrire cela. La bonne nouvelle. Donc numéro 1, donc tu écris 1. Bonne nouvelle égale la naissance du fils. L'ange appelle cela la bonne nouvelle. Moi j'ai Ezali. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais te voir, je vais t'entendre dire amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Du fils Jean. L'ange lui-même est en train de dire à Zacharie. Moi, j'ai mon voisin à Zacharie. Que je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et naïe, pour mon amour. Et cette bonne nouvelle est que tu auras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Cela est passé. Alors, un autre jour, l'ange Gabriel est venu voir le berger. C'était à Bethléem. Cette nuit-là, Marie avait accouché. Marie a botaki. Je vous avais dit ceci. Suivez-moi. Suivez-moi très bien.
Marie avec Joseph, ils habitaient à Nazareth. Mais pour le recensement, selon les décrets du roi à l'époque, chacun devait rentrer dans son village. Alors Marie est partie avec Joseph dans le village de Joseph. Marie et Lona Yosefo, Bazoni, Namboka Yosefo. Parce que Joseph était de la famille de David. Et c'est vous me comprenez. Or le village de David, c'est Bethléem. Marie était grosse. Marie Azalak Nazemi. Ils ont fait le voyage. De Nazareth. De mon Nazareth. À Bethléem. Qui n'ont Bethléem. Arrivé à Bethléem. Et comment qui va à Bethléem? Marie a eu des douleurs d'enfantement. Marie a eu qui va passer à Bogota. Mais il n'y avait de place pour elle dans l'hôtellerie. Marie était grosse. Marie a zaraki na bokumba. Prête à accoucher. Penabota. Mais pas de place. Kasimisikezangaki. Suivez-moi. Ola nanga. Suivez un peu. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses quand vous lisez la parole. Ezamata mususu soki ozotanga liranzambe. Ça, si vous êtes connecté au Saint-Esprit. Soki okangami na mulimo santu. Le Saint-Esprit va te souffler certaines histoires que lui ne peut pas dire à d'autres personnes. Regardez-vous et moi. Les décrets du roi, chacun doit retourner dans son village pour aller se faire recenser. Joseph, il était de la famille de David dans le village de Bethléem. C'est-à-dire Joseph était rentré chez lui. Là où se trouvaient ses grands-pères, ses grands-parents. Là où se trouvait la famille de son père et la famille de sa mère. Mais mes frères, posez-vous cette question. Pourquoi Joseph et Marie, Joseph na Marie, au lieu d'aller dans la maison, dans la famille de Joseph, où se trouvait la cabane du grand-père de Joseph, non, ils ne sont pas partis là-bas. Ils sont partis à l'hôtel. Arrivés à l'hôtel, il n'y a pas de place. Ici, mais je crois que c'était simple. Pas de place. Mais il faut aller où? Il faut aller retourner dans sa propre famille. Vous avez des familles au village. Je ne sais pas. Moi j'ai une famille au village. Est-ce que vous imaginez qu'on dit le recensement? Chacun doit aller se faire recenser dans son village. Moi je rentre dans mon village là-bas. Et que j'aille habiter dans un hôtel. Chez moi ça ne passe pas. Bon, c'est arrivé que je suis parti à l'hôtel. Et que j'arrive à l'hôtel dans mon village. Il n'y a pas de place. Mais la moindre des choses à faire, c'est quoi? Quelle est la solution? La solution c'est quoi? J'irai chez ma tante. J'irai chez mon oncle paternel. J'irai rester là-bas. Mais ce qui est curieux dans cette histoire, on dit que Joseph prenne Marie, l'amener dans sa famille. Non, ils sont partis dans une bergerie. Nakati, na bergerie, tout ici, dans ma patrie, dans ma
en regardant humainement, ça ne peut pas se faire. Et qu'on s'alimente. Si Joseph était à notre époque, mais je crois que s'il était congolais, on devrait lui dire que tu es sorcier. Mais parce que ça peut même pas se faire, ça va se faire comment? Mais Joseph n'est pas parti dans sa famille. Il a pris Marie. Ils sont partis dans une bergerie. Alors là-bas, Marie a accouché. Amen, amen. Je vous avais expliqué la fois passée pourquoi Marie a accouché facilement. Il n'y avait pas de complications. Quelqu'un m'a posé la question. Mais qui avait coupé les cordons entre Marie et le bébé Jésus? Je vous dis qu'il n'y avait jamais eu de cordons entre Marie et Joseph. Ça n'a jamais eu. Non, ça n'a jamais existé. Jésus était un bébé qu'on a déposé. Dans un emballage dans le sein de Marie. Que le Saint-Esprit a placé dans le sein de Marie. Dans un emballage. Et tout était dans cet emballage-là. Cet emballage, il s'appelait la gloire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alors, l'enfant Jésus est sorti. Ils l'ont démailloté. Ils l'ont placé dans une crèche. Je vous avais dit ceci. Quand Jésus était dans le sein de Marie, c'était un homme. Je reprends. Quand Jésus était dans le sein de Marie à Nazareth, c'était un homme. Mais dès que Marie a mis ses pieds à Bethléem, ce n'était plus un homme. Dans son ventre, c'était devenu un père. Je reprends. Ou vous me comprenez, je passe. Bon, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que Jésus c'est un agneau? Non, je ne dis pas que vous pensez, je dis vous croyez. Vous croyez que Jésus est un agneau? Vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Bon, vous croyez que Jésus aussi est un lion? Amen. Vous croyez? Amen. Bon, comment vous pouvez expliquer un lion peut être un agneau? Nini yoko yibolango. Kosi azalipe pate. Comment? Ça peut se faire comment? Et qu'on s'est manié. Depuis quand un agneau peut être un lion? Bandatan monini, moi n'a pas été à cause de la kosi. Naturellement, ça ne peut pas se faire. Mais Jésus l'est. Est-ce que vous me comprenez? Mais Jésus l'est. On en parlera comment il est agneau. Et comment il est le lion. Mais aujourd'hui, suivez ce que je veux vous dire. Quand Jésus était dans le sein de Marie, pendant qu'ils étaient à Nazareth, Jésus était un bébé normal. Bébé comme toi. Avec des pieds, une tête. Avec des mains. Un bébé, un homme normal. Dès que Marie a mis ses pieds à Bethléem, Marie a ce bébé-là,
Moi, qui était dans le sein de Marie, était devenu un père. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Bethléem veut dire la maison du pain. La maison du pain. Comme c'est la maison du pain, il faut trouver là-bas le pain. C'est pourquoi quand le fils là avait grandi un jour, quand le fils était dans le sein de Marie, un jour quand il avait grandi, il a dit aux gens, je suis le pain de vie. Vous me comprenez? Donc à Bethléem, c'est parce que Jésus était le pain de vie. Et à l'hypothèse, Jésus a dit qu'il n'est pas il fallait qu'il soit né à Bethléem. Et c'est qu'il a dit à Bethléem. La raison, Jésus est né à Bethléem. Si n'a les alliés à Bethléem. Donc je donne l'explication. Jésus est né à Bethléem. Jésus a Bethléem. Parce qu'il était le pain. Maintenant, quand on a Marie est partie dans la bergerie, le pain est devenu l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est dans la bergerie, c'est là où se trouvent les agneaux. C'est pourquoi Jean-Baptiste, le jour où il avait vu ces garçons-là, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc dès que Marie a mis ses pieds dans la bergerie, le pain qui était dans son ventre était devenu un agneau. C'est pourquoi il fallait qu'il soit né dans la bergerie. Mais comme Marie a donné naissance à un agneau, Marie a porté mon apathé. Il l'a émailloté. Il a pris l'agneau. Il a déposé l'agneau dans la crèche. C'est là où les animaux viennent boire. Or, dès qu'on a pris l'agneau, on a mis ça dans la crèche. Ce n'est plus un agneau. C'était devenu l'eau de vie. Est-ce que vous me comprenez? Un homme qui est le père du père à l'agneau et de l'agneau à l'eau de vie. Et ainsi il est écrit, un jour l'eau de vie a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. La femme samaritaine dit, non, je ne te donne pas de l'eau, toi tu es juif, pourquoi tu me demandes de l'eau? Moi, si mon Samaria le dit, c'est n'a pas fait son mari, c'est pour te dire, oh, allez, mon Yuda, oh, c'est un mari pour aller. Et lui, il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui te demandait de l'eau, ce qui est bataille, ta bonne zambé, personne qui est bataille, n'a pas osé mon mari. C'est toi qui devrais me demander de l'eau et je t'aurais donné de l'eau. Regardez, pendant que le bébé était là, dans la crèche, Marie et Joseph étaient là. Marie, non, Joseph, en train d'observer. Et l'autre, comme c'était la nuit, non, c'était l'été la nuit. De l'autre côté dans le champ, il y avait des bergers. Le berger était là en train de garder le troupeau. Alors ils ont vu un ange. Un ange leur est apparu. Pour leur dire, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Donc nous comprenons ici la deuxième bonne nouvelle. C'est la naissance du sauveur. Amen. La bonne nouvelle, c'est la naissance du sauveur. La bonne nouvelle,
L'ange dit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est le Christ? Le Seigneur. Nkolo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Amen. Je suis en train de toutes ces démarches. Je veux vous amener à comprendre la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la parole de Dieu appelle la bonne nouvelle? Est-ce que c'est ce que les gens disent aujourd'hui que c'est la bonne nouvelle? Est-ce que c'est cela? Est-ce que Ezali oyo lelo batwazo le baquet Ezali sa mamala? Quand Jésus a grandi, il a commencé à prêcher la parole. Un jour, il dira à ses disciples, il leur a parlé des événements qui doivent arriver sur la terre. Mais ils leur disent quelque chose. Il dit, avant que cela n'arrive, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde. J'ai écouté ce que Jésus dit. Avant que ces événements n'arrivent, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde. Mais laquelle est cette bonne nouvelle dont Jésus est en train de parler? Il dit cette bonne nouvelle. Laquelle? Oh, yawapi. De la naissance de Jean. Isalia. Motama ya Yohani. Ou de la naissance du sauveur. To ya motama ya Obi ici. Quand il est mort, il est en Makufati. Ressuscité. À Sekwe. Il a passé 40 jours avec ses disciples. Et il est monté. Mais avant de monter, il était avec ses 11 disciples les plus proches. Que lui-même avait appelé apôtre. Il était avec 11 apôtres à la montagne des Oliviers. Écoute ce qu'il a dit. Il dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Mais la question que l'on doit se poser, laquelle est cette bonne nouvelle? Laquelle? De la naissance de Jean ou de la naissance du sauveur? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, oui. Donner naissance à un fils, c'est une bonne nouvelle. Ça maintenant, je ne parle pas par rapport à la Bible, je parle par rapport à notre vécu quotidienne sur la terre, notre, la vie des hommes normales. Vous savez que il n'y a que la naissance d'un garçon, du fils, dont la Bible appelle bonne nouvelle. Mais la naissance des filles, on n'a jamais appelé ça bonne nouvelle. Là, je parle à la manière des hommes. Lolenge ya bato. Nazoloba. C'est pourquoi les hommes, vous savez qu'un homme peut avoir 11 garçons.
Oui, puis c'est mon toto, mon bal à cause d'un abat à mi bal et naïe, son amoko. Il ne va pas se plaindre. Il est à quoi les la terre. Oh non, trouvez-moi cette fois-ci que ma femme accouche une fille. Et il y a pas la hausse, moi, c'est un azuzé, mais à côté à moi. Je n'ai jamais vu un homme chercher une fille. N'a-t-il pas la coyote au moins à terre, mon bal à son amour à moi. Même s'il a 11 garçons. À ta papote, il n'y a pas la mi bal 11. C'est comme il y a une famille quand nous on grandissait là-bas. Le col à l'égo d'un mot, autant de ma dame, ils étaient 11 garçons. Maintenant, qui sont les amis. Et tous les membres se dégauchent. Zomina Moko va gauchier. Mais regardez. Si on a des filles. Soki va continuer à la basse. Si tu as seulement deux filles. Soko dans la basse, tu as mis balé. Deux seulement deux. Tu verras le papa commencer à chercher un garçon. Au moins, un papa a mangé le calou. Quand il y a un robot, il y a un. Si les premières filles disent non. Si le premier enfant qui vient dans le monde, ce qui moi n'a dit beau saut, dans ce foyer-là, c'est une fille. Ce qui a moi n'a si tu verras, le papa déjà commencé à couder. Au moins, un papa a dit au couder. Ah, il fallait qu'il soit un garçon. C'est comme si la naissance des filles, c'est pas une bonne nouvelle. C'est comme si, je dis c'est comme si. Je n'ai pas dit que c'est comme ça. Vous risquez de m'attribuer des choses que moi je ne dis pas. Vous risquez de me faire dire ce que je ne dis pas. Mais je dis, j'ai fait un constat. Et en lisant aussi la Bible, j'ai vu le même constat. La naissance d'un fils, on dit que c'est une bonne nouvelle. Mais la naissance d'une fille, on n'annonce pas. Pourquoi comme ça? Est-ce que Dieu ne connaît-il pas des filles des femmes? Je pose la question aux hommes. Les frères, je vous pose la question. Dieu ne connaît-il pas les femmes? Ah, ça va créer une polémique. Ça va créer la polémique. Bon. C'est lui qui me suit moi avec l'oreille spirituelle. Écoute maintenant, écoute d'abord comment je commence. Je parle à la manière des hommes. À la manière des humains. Donc je ne parle pas comme apôtre humain. Je parle à la manière des hommes. J'ai l'impression que c'est comme si Dieu ne compte jamais les femmes. Parce que si vous lisez la Bible, on dit que Dieu et Jésus a nourri 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi comme ça? Vous allez voir Dieu dire à Moïse qu'il faut faire le dénombrement. Mais on n'a pas compté les femmes. Mais on n'a pas compté les femmes. Pourquoi? Pourquoi? Il y avait Jésus dans les jours de sa chair. Il avait des hommes et des femmes. Vous savez que parmi les femmes les plus influentes auprès de Jésus, la première femme c'était qui? La première femme influente auprès de Jésus, c'était qui? C'est Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'est là qu'il a influence, c'est venu à Jésus. Mais ce qui est drôle, ce sont des questions que je pose. Pourquoi Jésus n'a pas fait de cette femme un apôtre? Pour la ligne, Yesu, à quoi il s'appelle moi si vous regardez à la toma? Ou faire d'elle, si l'expression existe, si ça n'existe pas, comprenez-moi, faire d'elle une apôtre quoi?
apôtresse. Yesu akomisa ki apôtre ya moi c'était pour la vie. Ce sont des questions. N'est pas attribuer rien vous qui me suivez. Ce sont des questions que je pose. Mais mes frères et sœurs, regardez. Nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle. Je veux que tu le répètes. La bonne nouvelle. 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 Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus, avant de monter, il dit à ses disciples, allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Mais la question que l'on doit se poser, quelle est la bonne nouvelle que l'on doit aller prêcher dans le monde entier? C'est laquelle? Des Jean-Baptiste? Ou la naissance du sauveur. Bon, la naissance du Jean-Baptiste est exclue, c'est pas cela. Donc c'est la bonne nouvelle là dont parle Jésus. C'est pas la naissance de Jean-Baptiste. Non, on enlève ça. Mais maintenant, on est resté avec la naissance du sauveur qu'on appelle la bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle dont parle Jésus, est-ce que c'est la nouvelle de sa naissance? Ou bien il y a autre bonne nouvelle encore? Les gens viennent de fêter partout dans le monde la naissance de Jésus. La foi, parce que c'était quel jour? Le jour, je n'ai pas dit quelle date. C'était jeudi. Jeudi le 25 décembre. Le monde entier a fêté la naissance de Jésus. Mais c'est ce qui m'étonne dans cette histoire de Jésus, de la naissance de Jésus. Quand j'étais petit, quand je partais encore à l'église catholique, il y avait, quand on partait le 25 à l'église, on partait la nuit du 24, on trouvait un bébé là, la petite poupée. Il y avait beaucoup de gens dans l'église. Bon, ce qui est bien avec les poupées, il y a des révolutions aussi avec des poupées. Je viens de voir maintenant, quand j'ai grandi maintenant, avant-hier à la télé, j'ai vu la poupée Jésus. Quand j'étais enfant, c'était une poupée qu'on déposait. Qui ne faisait aucun mouvement. Mais je viens de voir. Pendant que moi j'ai grandi, le bébé Jésus, je viens de voir à la télé, il commence à bouger les mains. Le bébé Jésus. Les gens viennent de fêter le 25 décembre, comme la naissance du Fils Jésus. C'est partout dans le monde. Ils vont vous dire que c'est la bonne nouvelle. C'est l'ange qui avait dit. Moi, je n'ai pas dit. Ok. L'ange avait dit, on doit prêcher partout dans le monde avant la venue de Jésus. Ce n'est pas la naissance de Jésus. Ce n'est pas sa naissance. Il y a encore une autre bonne nouvelle. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Il y a encore une autre bonne nouvelle que les gens, au lieu de comprendre cela, ils
s'attache toujours à la naissance. Je veux vous scandaliser. Vous savez, oui, Jésus, yes. Comme il est né là, le corps à votre matière. S'il était resté comme ça, ce qui attire à la Bongo, il ne sauverait personne. Il ne sauverait qui? Hein? C'est la réalité. Et je dis aussi là, ma tapo. Si on s'arrête qu'à la naissance, ce qui te souvient, Jésus ne sauverait personne. Ça serait seulement un titre comme ça, Jésus sauvait. Mais un salut que les gens ne vivent pas. Mais regardez, la bonne nouvelle, dont Jésus parle, et il faut aller l'annoncer dans toutes les nations. Voici cette nouvelle. Galates chapitre 3. Écoutez ce que dit la parole. Écoutez très bien. La bonne nouvelle dont Jésus parle. Et il faut aller prêcher cela. Ce n'est pas sa naissance, non. Ce n'est pas le 25 décembre, non. Ils ont eu 25 décembre. Non. Le 25 décembre, ça ne sauve personne. 25 décembre, et copie, ça n'a pas beaucoup de. Ce n'est pas ce que les gens aiment manger et boire. Mais l'homme aime des fêtes. L'homme aime la fête, faire la fête. C'est pourquoi ils ont amené cette histoire des fêtes des païens dans l'église. Et surtout comme c'est le blanc qui a amené cela. Et l'homme noir, lui, il fléchit toujours. Il dit amen à ce que l'homme blanc dit. Même si l'homme blanc dit des bêtises, mais l'homme noir se voit toujours complexé et accepté. Ça ne doit pas se passer comme ça. Dans les, surtout pas dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas problème d'être blanc. Non, ce n'est pas problème d'être noir. Non. C'est le problème d'être connecté par le Saint-Esprit. Et si Dieu t'a appelé, que tu sois noir ou blanc, prêche la parole sans complexité. D'abord, j'ai fini par comprendre. En écoutant le blanc, les 99% des blancs sont dans des fausses doctrines. Ils sont dans des fausses doctrines de la parole de Dieu. Il faut les renseigner la vraie parole de Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Je peux vous démontrer les erreurs des fausses doctrines que les blancs ont enseignées. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 8. Écoutez ce que dit la parole. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Écoutez là, et calmement. Suivez. En fait, justifier à Lingala, c'est quoi? Hein, on peut dire, traduire ça en bon Lingala, justifier, on peut dire ça quoi? Personne ne le sait. Bon, à Lingala, bon, on va expliquer. Toi, ne prends justifier seulement si en français. Je vais expliquer et vous allez comprendre. Verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiait les païens par la foi, a d'avance annoncé. Écoutez! D'avance, cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénis en toi. Et comprends-moi, ma tête, reprends moi-même, je vais reprendre. Verset 8.
aussi mes frères et sœurs, suivez très bien. Oui, reprends. Aussi l'écriture. La parole nous dit que aussi l'écriture, le cours, là, du commandé, prévoyant que l'écriture avait prévu. Le commandé, et pour qui ça qui oui. Dieu justifierait les païens. Que Dieu va justifier les païens. Qui est païen? On parle de notre ami. Ah, il y a. Regardez, je vais vous faire un petit croquis là. Oui, frère, tu as jeté le marqueur. Regardez, je vais vous expliquer qui est le païen. On parle de notre ami, à l'hôtel Sabino. Suivez. Olanda. Suivez qui est le païen. Olanda, nani va venir au pagan. Ça, c'est le monde entier ou l'humanité entière. C'est le monde des animaux qui vont avec tous les 5 continents. On va continuer en solitaire. Maintenant, à côté là. Suivez. Ici, c'est Israël. On a des alliés Israël. Un pays à part. Un peuple à part. Comme peuple. Regardez. Ici, ce sont tous les peuples de la terre. Mais là-bas, c'est Israël seul, comme peuple. Donc les païens, c'est tout le peuple de la terre. Ça, Israël. Avec Dieu voit le monde qu'en deux. Lorsque Dieu regarde le monde, il le voit qu'en deux. Il y a Israël, Israël qui est à part, et tout le reste des nations c'est aussi à part. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout le monde, tout le peuple des nations, c'est ce qu'on appelle les païens. Alors les dieux que nous prions aujourd'hui, c'est le Dieu d'un seul peuple. C'est le peuple d'Israël. Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Mais maintenant la parole dit, c'est Dieu d'Israël avait prévu pendant qu'il était Dieu avec Israël seulement. Mais il avait prévu qu'il va justifier le païen. Et ta colonne, il s'attend à positionner ma parano. Par la foi. Et il a annoncé d'avance. Il a annoncé cette bonne nouvelle. Chez Abraham. Et pas dans Abraham. Est-ce que vous m'avez compris? On a annoncé à Abraham la bonne nouvelle pour les païens. Mais la bonne nouvelle qu'on a annoncé à Abraham, ce n'est pas la naissance du fils, non. C'est ici, on ne parle pas de la naissance. Mais ici, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle ici, c'est la justification. La bonne nouvelle annoncée à Abraham, c'est la justification, des païens. Je vais vous expliquer maintenant c'est quoi la justification. Suivez-moi très bien. Je veux vous expliquer pourquoi la justification est appelée une bonne nouvelle.
Nani Bolamino, pour la nini, Mongo aux éducations, Congo aux éducations, et bien Nami, Samo Malambo. Regardez! Ce que Jésus oh, yes. est en train de dire à ses disciples qu'allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle là dont parle Jésus, c'est la justification. Mais c'est quoi la justification? La justification de Niyango. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Jusque-là, ça passe? Jusque-là, ça passe? Ok. Frère, je veux vous illustrer cela pour que vous puissiez comprendre. À côté de Sabino, il y a encore un exemple. Venez rapidement. Viens, frère. Viens. Frère, ok, mets-toi debout. Déplacez la chaise. Déplacez la chaise. Mettez ça derrière, rapidement. Bon, tu m'amènes. Prenez, amenez-moi ma chaise. Frère, amenez-moi la table. Prenez, amenez-moi cette table. Je vais vous expliquer c'est quoi la justification. Pour que ça reste gravé dans votre esprit. Enlève la fleur. Bon, tu m'amènes la Bible. Je prends. Bon, toi tu es modérateur. Frère, tu viens. Frère, Aristote, tu viens. L'autre frère, tu viens. Au coin. Je prends qui? Non, venez ici. Venez ici. Mettez-vous devant. Ok. Il me faut cinq pour représenter le continent. Qui peut venir? Une sœur peut venir. Une sœur. Et une sœur célibataire. Qui peut venir? Une sœur célibataire. Les sœurs ont peur. Voilà pourquoi on ne vous compte pas. Très bien. Bon, deux frères, venez. Frère, viens. Très bien. Frère, viens. Ok, frère Coca. Ça n'a pas cher. Ok. Bon, d'accord. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour que même si tu ne comprends pas les choses, mais cet exemple reste dans ton esprit. Je prends 5 personnes qui sont les 5 continents, d'accord? Est-ce que vous me comprenez? Donc les 5 personnes représentent 5 continents. Donc il y a un Africain, il y a un Asiatique, il y a un Européen, il y a un Américain, et il y a l'Océanie là-bas. L'Australie. Regardez. Suivez-moi très bien. Maintenant, regardez-moi. Moi, je suis l'image de Dieu. D'accord? Je suis sur ma chaise de la justice. Prenez donc les saints qui sont c'est toute l'humanité. Donc si tu es africain, vois-toi dans l'africain. Si tu es américain, vois-toi dans l'américain. Si tu es de l'Océanie là-bas, vois-toi dans celui qui est de l'Océanie. L'Européen, dans l'Européen, l'Asiatique, dans celui qui est asiatique.
Tout le monde. Sans exception. Maintenant, regardez Dieu dans sa justice. Dans la loi de Dieu. Il y a une loi de Dieu. Qui était écrite. C'est dans Ézéchiel. La loi l'a dit. Tout homme qui pêche. Mourra. Et c'est là pour faire. Répétez. Tout homme qui pêche. Tout homme qui pêche. Mourra. Mourra. C'est la loi de Dieu. Et dans la justice de Dieu, dans le jugement, tous les hommes avaient péché. Parce que tous les hommes viennent d'Adam. Ils ont le sang d'Adam. Tous les cinq continents, qu'ils soient américains, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, asiatiques, de l'Océanie, tous, ils ont le sang rouge. C'est la preuve qu'ils viennent d'un seul homme qui est Adam. Oui, Adam. Comme Adam le père, le col Adam tata na maman avait péché. Asumukaki, tous les fils d'Adam, bana nyonso Adam, étaient dans le péché. Bazalaki na kata lisumu. Et leur sort, be sort na bango, dans le tribunal de Dieu. Et tout mon bango na tribunal na Nzambe. C'était la condamnation à mort. Ezali ete bazwa etumu ya kufa. Et bien vous tous les gens de la terre, bino nyonso ba pema bele, comme il y a en vous le péché, vous êtes condamné à la mort à perpétuité. Ça c'est le jugement de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc dans le jugement de Dieu, la condamnation est déjà commue. C'est la mort. Condamnation à mort. Pour tous les hommes. Sur toute la terre. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Dieu est dans sa justice. Alors il doit tuer toute la terre. Déjà condamné. Il faut qu'ils aillent dans la mort éternelle. Dans le temps de feu. Mais il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Il s'est passé quelque chose. Dans ce Dieu juste. Assis sur le trône de la justice. Un Dieu qui ne peut pas renier sa parole. Qui ne peut pas renier sa loi. Dans ce Dieu de colère et de justice. C'est caché. Et bon manaki, la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant Dieu a dit. Donc la grâce dans Dieu. Parce que si vous voulez comprendre bien ce que je dis, prenons seulement l'image du lion de Samson et du miel du Samson. Vous avez compris? Il y a aussi le Samson. Vous m'avez fait un autre image de la tête. D'ailleurs, c'était le lion. L'Iban les avait dit aussi. Le lion tue. Là, c'est le Dieu de la loi. Le lion, c'est l'image de Dieu dans la loi. Le Dieu qui tue, quand tu fais le mal, il te tue. C'est pourquoi regardez, dans au temps de la loi de Moïse, dès que quelqu'un faisait le mal, parmi les enfants d'Israël, Dieu le tuait. Les gens de Sodome. On fait le mal. Dieu les a détruits par le feu. Au temps de Noé, les gens ont fait du mal. Le Dieu de la colère les a tués par le feu. Un jour, il y a des enfants d'Israël qui se sont révoltés dans le désert contre l'ordre établi par Dieu. Dieu avait établi Aaron comme souverain sacrificateur. Mais il y a un groupe de gens
Corée, Datan, Abiram. Corée, Datan, Abiram. Ils se sont révoltés. Et puis nous aussi. On doit brûler le parfait. Et c'est bientôt tout, ma nous sommes aussi saints. Qu'est-ce que Dieu a fait? Regardez les dieux lions. Dans les dieux lions, il a ouvert la terre. La terre les a avalés. Ça, c'est les dieux lions. Les lions tuent. Quand on dit Dieu les lions, c'est-à-dire Dieu dans la loi de Moïse. Et il aurait été un Zambé la tête à mon père. C'était tué. Regardez un jour. On déplaçait l'arche. Pour amener cela dans la cité de David. Vous dans la cité de David. Mais par le mouvement du bœuf, l'arche voulait tomber. Mon bœuf, il a dit quoi? Voulait. Et il a dit quoi? Ça s'est penché. Et il a dit qu'on s'est penché. Il y avait un homme là tout près. Appelé Ousa. Comment est Ousa? Il s'est approché. Il a poussé la qui pénètre. Il a touché l'arche. Pour que l'arche ne tombe pas. Il est mort sur place. À coup femme à la mort. C'est ça le Dieu lion. Il ne fait que tuer. Tant on ne respecte pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant dans ce Dieu lion, c'est caché la loi, le miel. Dans le lion, c'est caché le. Je suis en train de dire quoi? Est-ce que vous me comprenez? Dans les lions qui tuent, c'est caché le miel qui se mange. Et bon, qui est bon. Ma foudre, c'est-à-dire, dans les dieux de la loi, le dieu de la colère, c'est caché un dieu qui pardonne. Mais il fallait d'abord que le dieu de la il fallait d'abord que le lion que l'on voit le lion. Puis après qu'on vient de voir le miel. Mais regardez. Pour que le lion qui est fort, qui tue, qui est dans la colère, puisse faire sortir le miel. Il fallait que le lion soit tué. Et c'est que là qui était cosi. Pour que la colère devienne pardon. Et comment Bolim il faut que la mort intervienne. Dans le passage de la colère. Au pardon. Le passage du lion. Passage Yakosi. Au miel. Il faut la mort du lion. Est-ce que vous me comprenez? Mais regardez maintenant, le Dieu de la justice, le Dieu de la colère, qui dans sa justice, il a condamné toute l'humanité. Il dit, vous allez mourir parce que tous vous avez péché. Mais dans ce Dieu-là, quoi qu'il condamnait les gens, il s'est caché le miel. Le miel, c'est la grâce. La grâce, c'est ce que l'on peut manger. Parce que, souvenez-vous, Samson n'a pas mangé le lion. Mais il a mangé que le miel. Quand il est revenu, il a vu le lion. Et le miel était sorti. Il a pris le miel. Il a mangé. Il est parti donner à sa famille. Mes frères et sœurs, dans ce Dieu lion, le Dieu de la loi. Le Dieu de la colère, le Dieu qui tue, c'est caché, et le Dieu qui pardonne. Mais pour passer, le Dieu qui tue, le Dieu de la colère, à un Dieu qui pardonne, il fallait que ce Dieu-là puisse mourir. Est-ce que vous me comprenez? La solution. C'était la mort. Kufa ezala. Et la mort où? Peliwa wapi? À la croix. Na ekolosu. Frère, toi tu viens. Tu pas dire, mais là, bien. Vous regroupez-vous là-bas. Il n'y a pas ici là-bas encore. Non, regroupez-vous pour que vous n'empêchez pas les autres. Donc toi tu es là-bas. Mets-toi là-bas, tu es là-bas. Yo, Ozakuna, Mimuna, Kuna. Lui maintenant. Yé, de est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc moi je suis le Dieu, je suis
Je dis c'est l'ombre, je ne sais pas que je suis le Dieu de la loi. Non, c'est l'image. Je suis le Dieu de la loi. Le Dieu de la justice. Dans ma colère, je les ai condamnés à la mort. Mais maintenant, à moi, c'est caché la grâce. C'est-à-dire un autre Dieu qui sait pardonner. Est-ce que vous comprenez? Alors il est sorti de moi. Et celui. Mais ce passage. Pour sortir. Il fallait la mort. Et c'est là qu'il y a. Il est allé à la croix. Pendant que eux. Selon le tribunal de Dieu, ils sont condamnés à la mort. Pourquoi? Pour la vie. Vous êtes condamnés à cause du péché. Mais maintenant, lui qui est sorti de Dieu, il est allé à la croix. Il dit maintenant à Dieu, pardonne-le. Amen. Moi, je veux mourir à leur place. Toute condamnation et que tu as déposé sur eux, transfère cela sur moi. Au lieu qu'elles meurent, moi je veux mourir à leur place pour leur donner maintenant une occasion de se présenter encore en vie devant Dieu. Maintenant lui, comme la cause de leur condamnation à mort, c'était le péché. Le colatina, y a coupé sa mère avant et tout mon ami soumou et naliwa et zaraki soumou. Ce qui est à la base de leur condamnation à mort de l'humanité, c'est le péché. Mon sisa, y a et tout mon ami wa et zali. C'est pourquoi il fallait maintenant que celui-ci qui part à la croix qu'il puisse devenir péché, c'est-à-dire qu'il prenne l'air nature et qu'il porte ça à la croix. Et mais dans la réalité, lui n'avait pas péché. Il n'avait jamais péché. Lui qui est l'image de Jésus, il n'avait pas péché. C'est pourquoi il est écrit, lui qui n'a point commis de péché, mais Dieu l'a fait péché. Pourquoi tout cela? C'est pour permettre à tous ces condamnés à mort de leur donner encore une chance de vivre. Ah, mon frère, ma soeur, si tu connaissais ce que Jésus a fait, si tu savais ce que Jésus a fait, regardez, dans la justice de Dieu, ce sont des condamnés à mort. Toute l'humanité est condamnée à mort. Mais une seule personne. Il a dit non, je veux prendre leur place. Et que la mort qui devait tomber sur elle, la condamnation de la justice de Dieu qui était sur elle, qui s'avient sur moi, afin qu'elle ait la vie. Donc maintenant, lui qui est l'image de Jésus, au mieux, lui qui est Jésus, il est mort. Il est mort. A Kofi, maintenant, Sika, elle vient, lui, ne connaît pas l'océanien. Il est avec nous qui est océanien. Il croit. Andimeli, à ce Jésus de la croix. Il est justifié. Regardez maintenant comment se passe la justification. Regardez maintenant comment ça se fait. Condamné. Azan et tout. À la mort. Nakoufa. Mais quelqu'un d'autre. Prend sa place. Il meurt à sa place. Mais lui maintenant. Il croit celui qui est mort à la croix. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Des choses vont se passer. Dans la justification. Il y a deux choses qui se passent. Des choses dans la justification. Deux étapes dans la justification. Répète après moi, il y a deux choses.
dans la justification. Regardez comment Dieu maintenant va justifier tout celui de la race humaine qui va croire à celui qui est mort à la croix. Regardez comment Dieu va faire le justifier. Zamba kwa na kusifie moto nyoso ya rasi ya moto oya kontinela Yesu oyo apata mati de kolusu. Il croit. Antimeli. Non, je crois en Jésus. Tena antimeli Yesu. Qui est mort à la croix. Oya kufa de kolusu. Il est mort pour moi. Akufe langa. Pardonne-moi. Libi sanga. La première des choses. Et le quoi liboso. Dans le tribunal de Dieu maintenant. Na esambi se ya Zamba. Qu'est-ce que Dieu fait? Zamba kosa. La première chose. Et le quoi liboso. Dieu ouvre la page. Zambi afongo li page. Je parle à la manière des pasteurs pour vous faire comprendre les choses. Azoloba na lolenga ba pasteur pointe aussi ma makambo yango. Dieu ouvre ta page. Zamba fongoli. Là où c'est écrit Benjamin Massamba. Ici kawa pa komaki Benjamin Massamba. Dieu voit cette page là. Zambi atteint le kasawana. Condamné à mort. Et tout le monde est pour la vie. Pourquoi? Mon ami dit. Parce que Benjamin Massamba. Pointe Benjamin Massamba Oyo. Est le fils et la fille d'Adam. Azali mwana mwasi ya Adamu. Ayant le sang d'Adam. Na kozalaka na makila Adamu. Il a le péché en elle. Azana lisumu kati na ye. Et la condamnation sur la mort. Pe etumu pona tina na ye Azali. Là c'est la page de Benjamin. Wana Azali page lokasa Benjamin. Dans la justice de Dieu. Na kati na kwenge bena Mais Zambé. Comment il vient de croire. Kasi lokola oti kondimela. A celui qui est mort à sa place. Mwoto oya kufa le sika na ye. Regardez maintenant ce que Dieu fait. Kota na onza mazosa. Oh Jésus. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient sur la même page. Sur la même page. Il commence d'abord à dire. Premier acte. Je pardonne tous tes péchés. La première déclaration. La première étape. Étape à l'égosse. Que Dieu fait. On dans la justification. Dans la justification. Il pardonne. À l'égosse. Le péché. Masumu. De Benjamin. Il y a Benjamin. C'est la première des choses. Et le Koyambo. Le pardon. Au l'égosse. Pour tous celui. Dans la montagne. Sur toi Jésus. Antimélias. Le Jésus de la croix. Et soyez écoutés. La première des choses. Et le Koyambo. Ce péché. Masumu na sont tous. C'est la première des choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour vous? Amen. Là, la justification n'est pas complète. Justification. Là, c'est pas complet. Là, nous sommes dans une partie de la justification. Maintenant, comme Dieu a déclaré le pardon, il est dit pour tous les péchés écrits, j'ai pardon. Mais maintenant il y a un problème, non? Si tu as les capes ali, même si tu as pardonné Dieu, attends, j'avais aussi les ici. Mais les preuves sont là. Parce que ma preuve est ali. C'est écrit. Et comment lui? Les preuves sont là. Ma preuve est ali. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? J'avais si capes ça la vie. Il doit lever le preuve. Et c'est qu'il a le. C'est la deuxième étape. Et ça étape dans la justification. Dans la justification. Qu'est-ce que Dieu fait? Il doit effacer. Essayer à effacer les traces des écrits qui est sur la page de Benjamin. Ainsi, il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous voient. L'ordonnance, les écrits qui condamnaient Benjamin. Et il efface à l'aide de quoi? Il efface à l'aide du sang versé à la croix. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, le Fils de Dieu est venu pour ôter le péché. Ôter ici, ça veut dire effacer. Et il est encore écrit, sans l'infusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Le sang qui a été versé à la croix a pardonné et ça a effacé. Mais regardez la suite maintenant. C'est-à-dire, Benjamin,
Mes amis, quand elle vient de croire à Saint-Jésus de la croix, Benjamin est déclaré mes amis, justifié. Amen. C'est-à-dire, quand on le déclare justifié, quand on va lui dire, justifié, je veux que vous me répétiez, quand il est déclaré justifié, quand il est déclaré justifié, on l'a fait quoi? On a? Et puis? On a effacé les traces. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, la troisième chose que Dieu fait, il change les écrits de la page. Ça devient une nouvelle page avec des nouvelles écritures, avec une autre histoire. Et comme il est au cas de ce n'est plus l'affaire qui condamnait Benjamin maintenant. Non, c'est l'affaire sur laquelle on va écrire maintenant. Benjamin sauvé, Benjamin racheté, Benjamin justifié. Et ça dit le cas à Yassika, au bas au courant à l'Obayassika, Benjamin a dit qu'il s'amit, Benjamin a sauvé Yassika, Benjamin. Voilà la bonne nouvelle que Jésus a dit à ses disciples d'aller prêcher dans le monde entier. La bonne nouvelle là, ce n'est pas. C'est d'aller dire au monde entier, aux Américains, aux Asiatiques, aux Africains, aux Européens, de leur dire, croyez à celui qui est mort à la croix pour la justification de vos vies, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Les traces de vos péchés soient effacées. Ce sera la bonne nouvelle que le Seigneur attend de nous, que l'on aille prêcher cela dans le monde. Ne passez plus le temps à crier sur Noël. C'est de la pire distraction diabolique. Pour vous conduire tout droit à l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle qui doit vous amener dans le ciel. C'est d'aller dire aux gens, croyez à Jésus, le Jésus de la croix, il pardonnera vos péchés et il effacera vos péchés. Vous serez justifié. Et tout celui qui est justifié, ce sera la bonne nouvelle pour lui. Parce qu'ils étaient des condamnés. Toute l'humanité était condamnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été prisonnier ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entré dans la prison? Tu as déjà été en prison? Oui. Tu as déjà été en prison? Oui. Bon, venez vous trois, venez. Bon, vous pouvez rentrer, merci. Ceux qui ont déjà été physiquement en prison, venez. Passez le voyage. Rapidement. Tu as honte, on te voit dans le monde entier. Venez. Passez là-bas. Ok, ok. Laissez de l'essence, parce que laissez de l'essence. Bon, regardez-vous. Vous trois, vous avez déjà été dans la prison. Tu as fait combien de jours? 2 semaines. Tu as fait combien de jours? 3 jours. Tu as fait combien de jours? 1 jour. 2 semaines. 2 semaines, hein? Combien? 3 jours, combien? Regardez. De vous trois. Quelle est la bonne nouvelle que vous attendiez pendant que tu étais là 3 semaines, 3 jours, 1 jour? Quelle est la bonne nouvelle que vous attendiez? La bonne nouvelle que vous attendiez, que l'on vient d'annoncer
Kindani, le frère Liki. Eh, ouais, monsieur Liki. Déco Liki à Zawapi. Alors, monsieur Liki. Monsieur Liki. Viens. Yata. Change tes habits. Changez les habits. Et aujourd'hui, tu es libre. Les lots au premier mensonge. La bonne nouvelle pour un prisonnier. Zangomala, vous prenez mon tombeau. Retenez cela. Bossi, Mayango. C'est de venir lui annoncer. Yakoya Koye Misaye. Aujourd'hui, les lots, c'est le jour de ta sortie. Polo Kono ici aux Omiman. Mais suivez-moi maintenant très bien. Bola Nana Malam Sikoye. Suivez-moi. Bola Nana. Lui, il a fait deux semaines. 14 jours. Lui, il a fait 3 jours. Lui, il a fait 1 jour. Parmi les 3 personnes, la bonne nouvelle de la sortie, quand ça viendra, parmi les 3, qui va manifester la plus grande joie? Celui qui a les 14 jours, ou celui qui a 3 jours? Pour celui qui a fait un jour, qui va manifester la plus grande joie? Église, répondez-moi. C'est celui qui a quoi? 14 jours. Maintenant, regardez-moi. Si tout ça. Lui qui a fait 14 jours. Ce sont tous ceux dans le monde. Et Zali Batoko, nous sommes dans le monde. Qui ont fait beaucoup de péchés. Ils ont tué. Ils ont violé. Ils ont versé du sang. Ils sont entrés dans des sens occultes. Ils ont pris des formes d'autrui. Ils ont fait des choses horribles devant les hommes et devant Dieu. Mais regardez la bonne nouvelle. En faisant tout ce mal-là, ce mal-là constitue une grande prison pour lui. Plus on a fait beaucoup du mal, plus que ce mal-là constitue la prison pour toi. C'est lui qui a fait beaucoup de péchés devant l'œuvre de la croix. C'est celui-là qui sera beaucoup pardonné. Et c'est celui-là qui va beaucoup vivre, la joie. Et c'est beau. Du pardon de Dieu. Peut-être tu ne sais pas. C'est quoi le pardon de Dieu? C'est quoi la justification? Ça ne te dit absolument rien. Parce que peut-être tu n'as pas fait beaucoup de mal. Tu te dis non, j'ai une bonne éducation. Je n'ai jamais touché à la forme d'autrui. Tu te dis, je n'ai jamais versé du sang. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. C'est pas un problème. Mais à celui qui a fait beaucoup du mal, le pardon est très grand pour lui. Et n'aie pas peur. Toi qui as fait beaucoup du mal, le cœur de Dieu est disponible pour pardonner tous ceux qui ont fait beaucoup du mal. À celui qui a fait beaucoup du mal, retiens cela aujourd'hui. Le pardon est très grand. À celui qui a fait beaucoup du mal, l'amour de Dieu est plus grand pour lui. La justification est plus grande pour lui. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Comment gâter? De venir à Jésus. Et quoi il prie? Si là c'est Jésus là. J'ai péché. J'ai trahi. J'ai violé. J'ai détruit les âmes. J'ai versé du sang. J'ai touché ceci. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix. Pour moi, c'est toi la justice de Dieu. La condamnation qui devait tomber sur moi est tombée sur toi, Jésus. Pardonne mes péchés. Justifie-moi dans ta justice de la croix. Et tu seras pardonné. Celui qui a beaucoup péché sera beaucoup pardonné. Frères et sœurs, si tu as beaucoup péché, les gens te condamnent. Dieu ne te condamne pas. L'amour de Dieu est plus grand. L'amour de Dieu est plus grand pour tout celui qui a fait beaucoup du mal. Celui qui a fait beaucoup du mal,
quand il est pardonné, ce qui va être ici, il sait c'est quoi? La grandeur de l'amour de Dieu. Celui qui est dans la joie de la bonne nouvelle, c'est celui qui a passé beaucoup de temps dans la vie. Celui qui a fait trois jours. Il a aussi de la joie parce qu'il est sorti. Mais sa joie des trois jours de prison n'est pas comme celle de celui qui a fait 14 jours. Celui qui a fait un jour, sa joie n'est pas comparée avec celui qui a fait trois jours, avec celui qui a fait 14 jours. Nous tous, on a péché, mais pas de la même manière. Celui qui a beaucoup péché, Dieu l'a pardonné. Dieu a manifesté son amour. Quand tu viens auprès de Dieu, voilà la bonne nouvelle que nous devons annoncer à tous ces gens dans le monde, à tous ces Français qui s'en vont en Syrie là-bas, qui s'en vont en Irak là-bas, pour devenir l'État islamique. Il faut leur dire, il y a quelqu'un qui est mort pour vous. La bonne nouvelle, il y a un homme qui est mort à la croix. Et si vous croyez en lui, il va vous pardonner. Toute l'humanité a besoin de cette bonne nouvelle. La mort de celui qui est monté à la croix pour justifier en pardonnant et en effaçant le péché. Voilà ce que Jésus a fait.